Ce matin, président Barakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Ngoz, je ne cesserai pas de dénoncer, c'est pas la censure. La censure. Ouais, je ne vais pas me taire, par contre, même hier encore, nous avons été censurés. Les techniques de censure se raffinent de plus en plus. On suspend l'émission quelques minutes, on relance, il y a les panélistes quand ils parlent, l'algorithme. Coupe les voix. Coupe les voix, tout ça, et après, bien, se retrouve avec des vues amoindries. Oui. Tout ça. Tous les techniques là, on connaît. Ben, c'est le combat de perdu d'avant, d'arrière-garde. Facebook, les GAFAM sont trop petits pour nous arrêter. Est-ce que vous me suivez là? Je dis non, vous comprenez parfaitement, ne vous inquiétez pas. Les GAFAM sont trop petits pour nous arrêter. Et je ne parle pas du monsieur qui. Je ne vais pas citer son nom, je lui ferai trop d'honneur. Il est à cheval entre l'humanité et l'animalité. Je ne lui ferai pas trop d'honneur. Il croit qu'il peut gérer la pensée. Il croit qu'il peut gérer parce que la CIA l'a fabriqué, les Latinos l'ont fabriqué. Il peut gérer notre procès. Bon, il faut que tous les matins, chaque fois qu'il s'est arrêté, je vais dénoncer ça. Et je vais interpeller les démocrates africains qui se taisent. Ça aurait été des pays africains qui le faisaient. Le monde entier serait arrêté. Les journaux mettaient dans la une dictature, dictateur. Mais voilà, entre guillemets, des gens qui ne sont pas des États, mais qui pratiquent la dictature. À mon Dieu, comme on dit au quartier, hoha, ils le font ouvertement. C'est-à-dire sans état d'âme. La dictature, c'est-à-dire, quand vous dites quelque chose qui est vrai, parce qu'eux, ils sont des menteurs, ils mentent, et le mensonge est leur fond, comme dit la parole de Dieu, le mensonge c'est leur fond. Ils ont pour père le mensonge. Le père du mensonge, et pour père le menteur lui-même, oui. Et le mensonge. Donc, ils mentent, donc ils ne supportent pas la vérité. Ils vous disent qu'ils veulent débattre, qu'ils sont démocrates, mais ils ne peuvent pas débattre. Nous, on veut le débat. Est-ce qu'ils sont venus ici? Nous, on veut le débat. Nous invitons ici tous ceux qui sont contre nous. Invitez-les ici. Vous les faites asseoir là. Bon, j'ai dit, c'est jour il y a le numéro qui s'affiche tous les jours. Hein. Et bien sûr, sur votre Facebook, vous avez mon numéro de téléphone. Vous avez mon nom. Vous pouvez m'appeler. Vous me dites, bon, ok, nous, on va venir sur le plateau. Nous, on débat, c'est la censure. Oui. Quand l'ambassadeur de France, la France, incapable de débattre avec nous, va monter le CNC pour nous attaquer. Mais on attend, hein. Moi, j'attends. Le CNC là, ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Moi, j'attends. Parce que nous avons des arguments inattaquables. Donc, l'ambassadeur de France ne veut pas aller raser les murs, il ne va pas derrière, il donne l'argent. On va attaquer, nous attaquer par le panafricanisme. Ça va marcher hier, ça ne marchera pas aujourd'hui. Parce que la puissance qui porte le panafricanisme au-dessus de toute la puissance. Je salue mes copanélistes, je salue les techniciens, je salue toute la maison de Libye. Merci à vous, à président Barakani, d'être là.